Alors, bienvenue dans cette émission où je te donne les 10 conseils comment tu peux exceller en 2019. Cette année, c'est ton année. Ah oui, c'est ton année. Alors, voici le deuxième conseil. N'aie pas peur d'échouer. N'aie pas peur d'échouer. Je vois les gens qui ont peur, ils ont tellement peur de l'échec qu'ils n'accomplissent rien. Hein? Échoue le plus de fois que tu peux et éventuellement tu vas atteindre l'excellence. Oui, échoue le plus de fois que tu peux. Des fois, je rencontre des personnes qui viennent dans mon bureau, je leur demande, tu as échoué à quoi aujourd'hui? Tu as échoué à quoi cette semaine? Tu as échoué à quoi ce mois? C'est important. Oui, j'aimerais te dire que ton parcours sera excellent. J'aimerais te dire que tu ne vas pas faire de faute, mais c'est faux. C'est faux, tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des fautes. Tu vas échouer à un moment donné, mais le problème c'est que l'échec fait partie de la réussite. Écoute-moi bien, l'échec fait partie de la réussite. Alors tu vas faire des erreurs, mais c'est correct, ce n'est pas grave. Apprends à te pardonner de tes erreurs, apprends à te pardonner de tes erreurs. Tu vas en faire, mais ce n'est pas grave. Essaie de nouvelles choses, même si tu échoues, ce n'est pas grave. Je vois beaucoup trop de personnes qui restent chez eux, tellement pas peur d'échec, ils sont bloqués. Ils sont, parce qu'ils ne veulent pas échouer. Cette année, décide, n'aie pas peur de l'échec. Ils se posent des questions. Et si ça ne fonctionne pas? Et si je n'ai pas les moyens? Et si on me vole? Et si on me copie? Il y a toujours ici. Alors cette année, décide de ne pas, enlève tout là ici. Décide de ne pas avoir peur de l'échec. Parce que la peur tue plus de personnes que toutes les maladies. Je répète ça. La peur tue plus de personnes que toutes les maladies confondues. Alors décide de ne pas avoir peur cette année. Peu importe, n'aie pas peur d'échouer. Alors c'était mon deuxième conseil. Si tu veux exceller cette année, n'aie pas peur de l'échec. Alors c'est tout pour aujourd'hui. C'était ton motivateur personnel. Angelka, on se voit dans une prochaine vidéo.